Bonjour tout le monde, je suis Tylenson 4 et bienvenue dans cette 8ème partie de Bowser Fury. Et la dernière fois nous étions arrêtés dans ce monde. Donc je sais plus c'est quoi le nom du monde. Île du chat échaudé, voilà. Et donc nous avons un nouveau chrono ici, donc nous allons le faire. Enfin un nouveau chrono, c'est le seul chrono du monde. En espérant que je vais pas trop fail dans ce monde parce que vous savez comment ça s'est passé la dernière fois dans ce monde, hein. Là, normalement, j'ai le bon pouvoir pour faire ça. Ah, j'ai parlé trop vite. Bon, eh bien, réessayons et ne ratons pas notre coup. Enfin, si possible, hein, parce que voilà, quoi. C'est tellement dur de jouer avec la caméra alors qu'elle est devant, là. Ok, ça a l'air d'être pas mal, là. Ok, c'est bon. J'ai 40 points parce que j'avais peur. Ok, c'est bon. Astrophène a gagné. Cross country. Country croissant. Bon, eh bien. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon. Donc, du coup, il faut une clé. Et donc, je sens que je vais galérer pour la clé. Parce que je sais pas où elle est en fait. Je sais plus en fait. Bon, on verra bien. On va faire. On va grimper la montagne encore une fois. Oh non. Double misère dans ce. Ah, dans ce niveau. J'ai sauté dans le vide, mais bon, on va dire que c'est rien, c'est Mario. Ah. Oh. Oh merci, il m'a sauvé. Non, 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 non. Ah, mais il est derrière, donc ça va. Oh là 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 là, il y a de la lave. Oh, non. Je vois rien. Il est où le truc? Il est là-bas. Oh. Je sais pas comment j'ai fait pour survivre, mais je suis toujours là, en tout cas. Ah oui, j'ai zéro cloche du coup. Je suis obligé d'utiliser ça. Oh oh, elle est là. Ça y est. Allez, vite, prenons-la. Du coup, comment on fait pour... Ah, j'ai une idée. Non, 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 non. Oh oui. J'ai réussi. Bon, maintenant, oh, elle est... Ah, ok, c'est bon, c'est là. Mais j'ai réussi, je sais pas comment j'ai fait. Ah oui, c'est vrai. On peut pas faire de plongeon avec ce chat-là. Malheureusement. Bon, eh bien, voilà, on a fini cette île. Oh là là, quel dégoût, là. Bon, eh bien, voilà, du coup, nous avons terminé tous les mondes, je crois. Je crois qu'on a terminé tous les mondes. Ouais, je pense vraiment qu'on a terminé tous les mondes, donc... étant donné que je sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire, eh bien... on va aller se balader, et puis si je vois quelque chose de suspect, je vais aller voir. Hein. Ah bah, voilà, j'avais raison. C'est quoi? Oh. Ah. Bah voilà, j'ai bien fait alors de regarder partout. Mais en fait, c'est trop facile quand on a le chat. Bon, j'ai compris, le chat c'est le pouvoir du jeu, mais quand même, là c'était trop facile. Bon, alors nous allons aller là parce que si j'y arrivais. Voilà, parce que je pense pas avoir récupéré l'astre là-bas. Ou peut-être que je l'ai fait, mais que j'ai changé de partie. En fait, non, je sais pas du tout. Mais non, comment j'aurais pu changer de partie alors que j'utilise tout le temps la même? Ah oui! Je crois que j'avais raté celui-là. Enfin, cet astre-là.
Je pense que c'est pour ça que là, je peux plus. Bon, voilà. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire. On a vraiment tout fait. Ah, à part là. Oh, il pas de velours, c'est nouveau ça. On va aller faire ça maintenant, parce qu'on n'a plus rien à faire. Bon, vous savez quoi, allez. On va faire le combat de Bowser, parce que pourquoi pas. Pas grave pour l'autre monde, on va le faire après. Enfin, si je peux, hein. Normalement, oui, je peux, c'est sûr. Après les gigacloches, il y a toujours un moment où on peut faire ce qu'on veut, donc... voilà, quoi. On arrivera juste à le battre, et puis voilà. Et voilà, combat numéro je ne sais combien contre Fury Bowser. Dit comme ça, ça fait bizarre, Fury Bowser. Bon, par contre, ne t'éloigne pas. Allez, tiens, prends ça. Mais non, t'es pas mort en un truc là. Mais non, il joue la comédie là. Regardez, il joue la comédie. Il a juste un petit rouge sur le ventre là. Oh là là, ce lâche. Oh, ça dégoûte là. Franchement. Bon, du coup, on aura le temps de faire l'autre monde, du coup, j'espère. Parce que voilà. Il pleut. Il pleut, mais quoi ? Bowser Junior semble vouloir dire autre chose. J'y crois pas, Papounet est devenu gigantesque et tellement puissant. Il est encore plus terrifiant à chaque fois qu'il réapparaît. Mais je suis sûr que si on poursuit nos efforts, il peut redevenir juste effrayant. On peut pas baisser les bras maintenant. Ouais, mais du coup, là, il est là, il arrive. Attendez, c'est de la fausse pluie ou c'est de la vraie pluie? Non, je crois que c'est de la vraie pluie, hein. Ouais, c'est de la vraie pluie. C'est bizarre, là, il y a la cinématique. La musique a changé. Ça y est, la musique a changé. Là, il est fou de rage. Alors, où est la cloche? Elle est là. Bon, bah, allez, hop, deuxième combat. Bon, cette fois-ci, Bowser, tu ne fuis pas comme un lâche, d'accord? Allez, Bowser Junior, oui, encourage-nous. C'est la première fois que je le vois nous encourager, je crois. Soit c'est la première fois que je le vois nous encourager. Tiens, prends ça. Non! Mais c'est pas vrai. Il est mort tout seul, là. Il joue la comédie. Là, je l'ai touché. Ouais, il a un point de dégâts, là, franchement. Qu'est-ce qu'il fait avec un point de dégâts? Tiens, prends ça. Non, t'as pas reçu le coup. Tiens, il est où? Tiens, viens. Est-ce que je peux te lancer ça de là? Mais non, t'es mort avec un projectile. Oh, il est mort! Oui! Est-ce qu'il est enfin mort? Oh là là, cinématique change. Ne me dites pas que c'est la fin. Oh, Bowser Jr. est triste. Waouh. Attendez, c'est la fin. Oh là 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 là. Il est redevenu normal. Broly. Il a les yeux de Broly.
Broly Sama. Densetsu no Kupajin. Tu prends les cloches. C'est l'année de la vache. Oh non! C'est l'année de la vache. C'est quelle blague ça? Ah. Ah, bon. Plessis nous attend. Ah, on était obligé de prendre Plessis, je crois. Ah, merci pour la cloche. Mais du coup. Ah! Désolé, Plessis, j'ai eu peur, donc du coup, je suis partie. Bon, allez, dépêchons-nous. On doit le rattraper. Il a volé toutes les cloches. Et. Oh! C'est donc ça que nous devons faire. Allez, encore une autre fois. Oh! Allez, on peut le faire. Depuis tout à l'heure, j'évite les projectiles sans faire exprès. Comment je les ai tous évités, là? Allez, encore une autre fois. Et là, je la sens, là. Ah, j'ai raté la cloche. Non! Oh non, là, c'est abusé, là. Par contre, je suis tout petit, donc je vais prendre un objet. Tiens, pour ça. Allez, oui, c'est bon. Non, c'est toujours pas bon. Une dernière fois, alors. Wouah! C'est quoi ça? Oh. Oh. C'est déjà fini? Mais non, il est déjà mort. Oh. Plessis aussi a le droit à sa giga cloche. Oh non, il va l'écraser. Waouh! Waouh! Oh! Il s'en va vers d'autres cieux! Oh non! C'est la fin du jeu déjà? Mais on n'a même pas tous les astres! Attendez, quoi? Mais non, je pense que c'est une fin. Je pense que c'est la vraie fin. Mais qu'il doit y avoir des astres après. Parce que je n'ai que 78. Et c'est bizarre de pas avoir un nombre pair. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, Bowser. Bonjour, Bowser. Densetsu no Kupajin. Non, ça va, c'est Bowser normal. Ah, au moins Bowser Junior a retrouvé son père. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, bien sûr, Mario, hein. Oh, mais quel frimeur ce Mario! Oh là 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 là! C'est un frimeur ce Mario, vous avez vu sa pose là? Bon, et eh bien, merci d'avoir de m'avoir aidé et m'avoir fait retrouver mon père et à jamais! Comme ça, c'est fait! Ah bah, dis donc! Ah, au moins il y a les chats qui viennent le réconcilier. C'est bien ça. Wouhou! Ah oui, ok, d'accord. Eh bien d'accord, hein, bah voilà. Hein. Eh bien écoutez. Ah oui, il y a carrément les crédits. Donc est-ce que c'est une fin provisoire? En tout cas, je pense pas que c'est la fin, puisqu'il y avait encore une autre île. Donc, c'est la preuve que c'est une fin provisoire. En tout cas, voilà. Hein. Donc, je vous assure, c'est peut-être pas la fin du Let's Play. Enfin, qui sait? Peut-être que c'est la fin du Let's Play, en fait. Hein. Et que c'était juste une fossile. En tout cas, voilà, quoi. Pour l'instant, on va juste admirer ces crédits. Et puis, j'en profite pour dire, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord si c'est pas déjà fait.
car voilà quoi. Je prévois de faire des événements, donc des blind tests ou des jeux en ligne. Mais comme il n'y a pas assez de monde en ce moment, donc je ne peux pas en faire, donc voilà. C'est pour ça qu'il y en a qui attendent dans mon serveur et ils sont impatients. Donc, si vous ne me croyez pas, allez voir de vous-même. Hein. Et donc voilà. Donc le temps que les crédits passent, je vais vous poser quelques questions comme ça parce que pourquoi pas. Ah, Bowser Junior. Ah oui, quel dessin, franchement, magnifique. En tout cas, quelle a été votre partie préférée durant ces 8 premières parties et sûrement pas les dernières. Moi, en tout cas, j'ai aimé toutes les parties, en tout cas. Bon, j'ai l'impression que Bowser Jr. se met beaucoup en avant dans ses photos. Enfin, dans ses tableaux, pardon. Ah non, pas dans celui-là. Non, en tout cas, je trouve le jeu qu'il est très bien fait. Ah, ça me fait rappeler la fin de Super Mario Sunshine. Eh bien, voilà, quoi. C'est la fin provisoire de ce jeu. Et donc, voilà. Merci à vous d'avoir joué. Enfin, merci d'avoir joué. Ah oui, 78 astres sur 100. Donc, voilà. Ce n'est pas la fin du Let's Play. Pour vous prouver que, voilà. Donc, on va venir sur le jeu vite fait. Et voilà. Nous voilà de retour dans... Super Mario, qu'est-ce que je raconte? Ça commence pas par Super Mario. Bowser's Fury. Et donc, j'ai l'impression que... Oh, il y a moins d'encre. Ah, je savais qu'il y avait de nouveaux trucs. Voilà. Papounet et moi, on allait passer une chouette journée ensemble au bord de ce lac. Mais il est devenu gigantesque et fou furieux encore une fois. J'ai placé des marqueurs sur la carte, là où il pourrait rester des astres félins cachés. On doit les retrouver et les ramener à mon papounet. Enfin, et ramener mon papounet à son état normal, pardon. Ah oui, quand même. Il en reste 22 des astres, donc on pourra faire ça peut-être en 2-3 vidéos. En tout cas, moi je m'arrête ici. Écoute Mario, tu me rends un sacré service, alors je vais faire ce que je peux pour te faciliter la tâche. Si tu veux te rendre sur une autre île, pointe-la juste sur la carte et appuie sur A. Je nous y conduirai directement avec la fonction se téléporter. Oh, ça c'est bon à savoir. Se téléporter, île pas de velours. Ah oui, ok, d'accord. Bon, nous allons pas faire ça maintenant, nous allons faire ça la prochaine fois. Donc nous allons nous arrêter. Oh, Plessis a changé. Je crois qu'elle a changé. Oui, elle a changé. Maintenant, c'est devenu... Elle a une fourrure, maintenant. Et une queue de chat. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce début... Enfin... Cette première fin de Bowser's Fury. Et à très bientôt pour la prochaine partie. Au revoir, tout le monde.